Alléluia, Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous fait de passer dans cette émission Parole de Christ pour parler de sa part. Et nous bénissons aussi toute l'équipe de l'émission Parole de Christ pour cette opportunité, pour ce plateau qu'il dispose en notre faveur pour parler de la part du Seigneur. Et l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole, bénis ces moments. Nous laissons tout entre tes saintes mains, guide-nous. Bénis encore ta parole, dans le nom de Jésus. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie et il fut échappé de la fosse. Laisse que là où est, à cause de cette parole, que quelqu'un soit béni et quelqu'un soit édifié et soit échappé de la fosse, dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons parler sur un thème que l'Éternel nous a mis à cœur pour partager de sa part. Le thème, c'est les avantages de la nouvelle naissance. Les avantages de la nouvelle naissance. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire deux portions d'Écriture. Nous sommes dans Jean 1, Jean 1:12, le verset 12 jusqu'au 13e verset. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel s'en est, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. J'aimerais encore lire une autre portion des Écritures. Là, c'est dans Jean 3 maintenant. Jean 3, j'aime ces passages. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus de nuit pour lui demander qu'il puisse parler au Seigneur, Jean 3, le premier verset, la Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Comme je venais de dire tout à l'heure là, mon thème de ce matin, c'est quoi? C'est les avantages de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être toucher un avantage ou des avantages de la nouvelle naissance. Et lorsqu'on parle d'un avantage, c'est ce qui donne une supériorité à quelqu'un. Supériorité dans un combat ou soit dans une lutte, ou soit dans une bataille. Ce qui te donne une supériorité, c'est ce qu'on appelle avantage. Amen. Et un avantage, c'est aussi ce qui est utile, ce qui est profitable, ce qui est un bénéfice, un intérêt. Ça veut dire, aujourd'hui, pendant que je parle, pendant ces thèmes, j'aimerais nous parler de bénéfices de la nouvelle naissance. Parce que plusieurs personnes se pose des questions par rapport à la nouvelle naissance, mais j'aimerais parler à quelqu'un qui est né de nouveau, ou soit d'une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. J'aimerais parler des avantages pour nous qui sommes chrétiens et aussi pour toi qui souhaites venir dans le monde de Christ, toi qui veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, parce que la nouvelle naissance a un avantage, a un intérêt que j'aimerais exploiter pendant mon message d'aujourd'hui. Et lorsqu'on parle aussi d'un avantage, c'est une utilité, c'est un profit, c'est une faveur, c'est un déçu. Amen. Et écoutez, lorsqu'on parle d'une nouvelle, il y a plusieurs définitions, mais la définition qui m'a vraiment fait du bien, c'est lorsqu'on parle d'une nouvelle, on parle de qui apparaît après un autre, qui remplace un autre. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une nouvelle naissance, c'est une naissance qui remplace une nouvelle, parce qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle s'il n'y a pas une ancienne. Amen. Et lorsqu'on parle de la naissance, c'est la venue d'un être à la vie. C'est un commencement de la vie. Moment où un enfant vient au monde, c'est une apparition.
Ça veut dire que lorsque nous parlons d'une nouvelle naissance, lorsque nous parlons dans ce thème, ça veut dire que nous parlons des bénéfices liés à la nouvelle apparition, le bénéfice lié à la nouvelle naissance, à la nouvelle régénération, à la régénération. Et puis lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, ne voyez pas d'abord, ce n'est pas une naissance charnelle. La nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance d'un homme, comme on le sait de toutes les manières. Nous le savons qu'avant qu'il puisse y avoir une naissance, il faut y avoir d'abord qu'un homme et une femme puissent s'accoupler pour qu'on puisse avoir une naissance, que l'enfant puisse naître en nous connaissant le chemin. Et mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Nous parlons d'une nouvelle naissance, ça veut dire une naissance de l'esprit, une naissance avec Dieu, une naissance de l'esprit, naître de Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle d'une nouvelle naissance, c'est une naissance d'esprit et non de la chair. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec la chair. Amen. Et naître de nouveau, c'est recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que lorsque je parle ici de la nouvelle naissance, je suis en train de parler d'une personne qui a cru au Seigneur Jésus. Ça veut dire que naître de nouveau, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi lorsque vous partez dans Jean 1, on est en train de parler dans Jean 1, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il a tout ce qu'il a reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime ce que la version Semeur dit, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que le premier avantage que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau, ça veut dire que nous recevons l'identité d'enfant de Dieu. Ça veut dire que naître de nouveau, ça veut dire c'est devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que maintenant tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. J'aime ce que la Bible dit. Lequel ne sont pas nés, hein, selon la volonté de la chair, ni du sang, mais ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Ça veut dire qu'être né de nouveau, ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. Et lorsque on est de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui t'engendre, c'est Dieu qui te met au monde. Ça veut dire que tu deviens enfant de Dieu au préalable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le premier avantage lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous naissons de nouveau, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Et ce que j'aime lorsque tu deviens enfant de Dieu, pas selon la volonté de la chair, mais pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Écoutez, si un homme peut enfanter son enfant qui porte sa nature, et si Dieu ne peut donner de naissance, il ne donnera de naissance qu'à des dieux. Amen. Si Dieu a donné de naissance au Alléluia. Comme je disais, le premier avantage lorsque nous naissons, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, le premier avantage, c'est que nous devenons enfants de Dieu. C'est le premier avantage. Et puis, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Nicodème est venu de nuit voir le Seigneur Jésus. Il a dit au Seigneur que de ces choses que tu fais, ce qui se passe avec toi, pour qu'un homme le puisse le faire, il faut qu'il soit envoyé de Dieu. Nicodème il connaissait la parole. Nicodème connaissait les Écritures, il avait la Torah, il avait les prophètes, il avait les écrits. Mais Nicodème était bloqué, il ne voyait pas dans sa vie ces choses qui s'est passées dans la vie du Seigneur. Parce qu'il a dit ceci dans la version Seigneur, on parle des signes miraculeux. C'est-à-dire des choses qu'il voyait. Il voyait les morts ressuscités. Il voyait comment est-ce que les malades étaient guéris. Il voyait comment est-ce que les aveugles retrouvaient la vue. Il a dit ceci, Seigneur, pour que ces choses puissent se faire, il faut se mettre naître d'eau. Jésus l'a dit plutôt. Pour que tu puisses avoir accès à ces choses que tu vois, des choses que tu es incapable d'avoir malgré la connaissance des Écritures que tu as, il faut naître d'eau, il faut être régénéré, il faut rentrer dans la position d'un enfant de Dieu, il faut naître d'eau, naître de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'aime avec Jésus, il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Amen. Il a dit, Nicodème était bloqué. Il ne savait pas comment accéder à ces choses. Et le Seigneur Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau, naître d'eau. Lui,
malgré la connaissance qu'il avait, il était incapable de comprendre ce qui était en train de se passer. Il dit au Seigneur, il dit, comment est-ce que moi, vieux comme je suis, je peux rentrer dans le ventre de ma mère et encore naître? En réalité, Jésus ne lui parlait pas de cela. Jésus était en train de lui parler de ce que Jean est en train de dire. Jean 1 dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Ça veut dire que quoi? Nicodème, malgré la connaissance qu'il avait, il a essayé, je crois peut-être, il a eu à essayer de guérir un malade, il a eu peut-être à essayer de ressusciter un mort, mais il n'a pas pu. Voilà pourquoi il est peut-être venu de nuit voir Jésus. Disons que peut-être nous on connaît ces choses, mais on n'arrive pas à accéder à cela. Qu'est-ce quoi la clé pour arriver à faire de miracles, arriver à devenir un signe, un présage, à devenir une référence pour des gens, à devenir vraiment une étoile qui va briller fortement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui dit, il faut naître d'eau. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu peux acheter des choses sans naître d'eau, des personnes qui ne sont pas nées de Dieu, ces personnes sont bloquées, ces personnes sont limitées malgré les connaissances qu'ils peuvent y avoir, malgré les diplômes, malgré tout, il y a une limite, il y a une barrière. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ont de l'avance, de l'avantage sur plusieurs choses. Parce que ils sont devenus enfants de Dieu. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Nicodème a essayé peut-être de faire des miracles. Il n'a pas pu parce que Nicodème n'était pas né de nouveau. Parce que Nicodème n'avait pas Christ en lui. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, à tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, laisse-moi te dire, ton avantage est que tu es un enfant de Dieu. Ton avantage est que tu es rentré dans la position initiale. Parce que lorsque Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit ceci, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Par l'image, l'homme a la nature de Dieu. Mais par la ressemblance, l'homme a le fonctionnement de Dieu. Lorsque Adam a péché, l'homme a perdu les potentiels, l'homme a perdu l'efficacité, la force qu'il avait, la nature de Dieu. L'homme a été déconnecté de Dieu. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés spirituellement. La nouvelle naissance est une régénération spirituelle. La nouvelle naissance, ça nous restaure avec Dieu. Ça nous ramène dans notre position initiale de Dieu et de conquérant de la terre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui a reçu Jésus-Christ comme un sauveur, n'aie pas peur de choses qui se passent autour de toi. N'aie pas peur de choses que tu peux voir autour de ta famille. N'aie pas peur de lien de famille, parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. La première de choses lorsque tu reçois Jésus-Christ, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Alors ne baisse pas les bras face au combat de la famille, face au combat, peu importe ce que vous pouvez voir autour de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Nicodème était bloqué parce que Nicodème n'était pas né de nouveau. Parce que Nicodème n'avait pas Christ en lui. Mais toi, tu as Christ en toi. C'est alors que j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui se passe autour de toi. N'aie pas peur autour de ce qui te passe. La maladie, peu importe ce qu'on peut te dire. Regarde en toi, tu as Dieu en toi. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que Christ, en faisant comprendre à Nicodème, parce que Nicodème a dit, parce que ces choses, des miracles qui se passent, pour le faire, il faut naître d'eau. Jésus l'a dit, il faut naître d'eau pour vivre ces signes miraculeux. Écoute, Jésus aussi, lorsqu'il était en train de partir, il a dit ceci aux disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire que des personnes qui ont reçu Christ, ils sont devenus enfants de Dieu, et ces personnes ont la capacité de reproduire ce que Christ avait fait. Oh, j'aime. La nouvelle naissance, ça nous donne une capacité de fonctionner comme Dieu et de reproduire ce qui se passe au ciel sur la terre. Parce que Christ a dit ceci, je ne fais rien si je ne vois pas mon Père faire. Ça veut dire, Christ ne pouvait reproduire que ce que le Père était en train de faire. Oh, j'aime une chose, bien aimé, peu importe ce que tu peux voir dans ta famille, et laisse-moi te dire, tu as une capacité de changer les choses. Tu as une capacité de changer ton environnement. Tu as une capacité de transformer les montagnes, de te transporter les montagnes. Tu as une capacité de changer les choses parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as reçu Christ en toi, parce que Christ vit en toi, parce que la Bible dit dans Galates, oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela signifie, certifie que tu as Christ en toi, tu as Dieu en toi. Et tu peux tout faire. Juste, ce que je peux te dire, c'est de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu,
parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher tête haute, en train de te témoigner, en train de déclarer parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un perdant, tu n'es pas une perdante, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La nouvelle naissance te fait devenir enfant de Dieu. C'est ça la supériorité que tu reçois dans l'élite. Lorsqu'on parle de, j'ai parlé ici de l'avantage, c'est une supériorité dans un combat, dans une lutte, sur ton passage sur terre. C'est ton pèlerinage, sur ton pèlerinage sur terre. L'avantage que tu as reçu, c'est de devenir enfant de Dieu. La supériorité sur la maladie. Étant enfant de Dieu, tu as la supériorité sur la maladie. Étant enfant de Dieu, tu as la suprématie. Tu as la supériorité sur les problèmes. Oh, ce que j'aime avec les problèmes, lorsque Dieu dit dans Genèse 1, Dieu dit ceci, que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Ce que j'aime, Dieu a appelé dans le présent, mais cela est venu dans le passé. Écoute, laisse-moi te dire, ta solution, la solution de ton problème existe bien avant que même ton problème ne puisse exister. Laisse-moi te dire, c'est lorsque tu comprends que tu es un enfant de Dieu, en naissant de nouveau, c'est alors que tu n'auras pas peur de cette maladie, de ce cancer qui frappe, de ce chômage qui frappe, parce que tu es un enfant de Dieu. Et ce que j'aime avec les enfants de Dieu, ce sont le fils du Créateur. Or, notre Père est le Créateur. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Lorsque tu comprends que tu es un enfant de Dieu, tu comprendras que tu as le gène de Dieu. Tu comprendras que tu as l'ADN de Dieu. Ça veut dire que tel qu'il est, c'est tel que tu es. Ça veut dire que si ton Père, qui est Dieu, c'est lui qui peut ordonner et la chose arriver, plutôt ordonner et la chose exister, et dire et que la chose arrive, c'est quand tu comprends ces choses, c'est alors que si tu comprends, lorsque tu comprends ces choses et que tu vas te mettre maintenant en exercice pour dire que j'ai l'ADN de Dieu, j'ai la nature de Dieu, tout ce que je dirai, tout ce que je serai en train de déclarer, ces choses vont arriver. Tout ce que je vais dire, ça va arriver. C'est pourquoi je pousse quelqu'un par ce message. Parce que tu as une supériorité. Tu as un avantage sur la maladie. Tu as une autorité. Tu as un mot à dire sur ce qui se passe dans ta famille. Tu as un mot à dire sur ce qui se passe dans ta vie. Ne reste pas bouche bée, car tu es un enfant de Dieu. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir en toi. Tu as le pouvoir en toi. Ce pouvoir même te donne l'avantage. Te donne l'avantage. J'aime ce que la Bible, dans la version Martin, qui dit ceci, dans Romains 8, 19, la Bible est en train de dire ceci. La création, le grand et ardent désir des créatures est que les enfants de Dieu se manifestent. Oh, comment est-ce qu'on peut parler que les grands et ardents désirs des créatures est que les enfants de Dieu puissent se manifester? Je ne comprends pas cela. C'est absurde si on peut lire, mais c'est très clair et ça signifie que lorsque nous naissons de nouveau, nous quittons la dimension d'être des créatures pour devenir des enfants de Dieu, pour devenir des dieux sur la terre. Oh, écoutez, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu comprends que tu deviens un créateur. Tu deviens quelqu'un qui doit faire exister, ramener des choses qui sont dans l'invisible, dans le monde visible. Oh, laisse-moi te dire, tu as de l'avantage. Tu as une supériorité. Tu as une faveur que Dieu t'a donnée. Tu as le sceptre. Tu peux donner une ordonnance sur la créature, sur la création. Parce que elle attend que tu puisses te manifester. Alors ne croise pas les bras. Ne te regarde pas comme tout le monde. Ne te vois pas comme tout le monde. Parce que tu as de l'avantage. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Écoute, peu importe ta maladie. Mets ta main là où tu es malade. J'aimerais que tu puisses prier de là où tu es. Ne te regarde pas comme ça parce que tu as un pouvoir. La Bible dit ceci, les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il a donné au fils de l'homme. Au fils de l'homme. En réalité, des personnes qu'on est en train de parler ici, des personnes qui ont reçu le pouvoir, c'est toi. Parce que des hommes là, les fils de l'homme là, eux, ils ne sont pas rentrés dans la position initiale. Ils ne fonctionnent pas comme il faut. Mais des personnes qui doivent fonctionner comme il faut parce que la terre les appartient, ce sont des personnes qui ont été régénérées. Des personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces personnes qui ont de l'avantage. Ce sont ces personnes qui ont le pouvoir de dominer et de régner. De régner et de dominer. Oh, de régner et de dominer. Oh, laisse-moi te dire, de partout où tu me suis, si tu as cru au Seigneur, j'aimerais te reconscientiser. J'aimerais te conscientiser que tel que tu es là, tu as un pouvoir. Tu as ce que les hommes n'ont pas. Tu as ce que les sorciers n'ont pas. Tu as ce que les magiciens n'ont pas. Tu as ce que les acolytes du diable n'ont pas. C'est quoi? C'est la nature de Dieu. C'est l'ADN de Dieu, du Créateur. C'est avec cela, tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de créer. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta famille. Regarde un peu, mais que cela ne te fragilise pas. Que cela ne te fasse pas peur. Parce que tel que tu es là,
Tu as la nature de Dieu. C'est ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Si peut-être tu me regardes ce matin, pendant les jours, pendant la nuit, peu importe l'heure que tu vas me regarder, écoute-moi, j'aimerais te dire que tel que tu es là, tu as de l'avantage sur la maladie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Oh là là! Quel avantage! Nicodème était bloqué. Nicodème était bloqué de tous côtés avec le fonctionnement dans certains surcoups d'esprit. Rien ne peut t'empêcher parce que tu es un enfant de Dieu. Rien ne peut t'empêcher. Tu seras empêché que lorsque tu vois que tu peux être empêché. Mais écoutez, ce que j'aime encore avec l'avantage, avec la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance nous fait devenir des esprits. Parce que la Bible dit, la Bible parle, lesquels sont nés? Ni de l'homme, mais nous sommes nés de l'esprit. Ça veut dire qu'on parle en réalité en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ça veut dire que lorsque tu es né de nouveau, l'esprit de Dieu, tu nais d'esprit. Et la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque tu es né de la chair, tu peux que fonctionner dans la dimension terrestre. Mais lorsque tu es né de l'esprit, tu fonctionnes dans la dimension spirituelle. Ça veut dire que des choses qui sont comme des barrières, pour un esprit, il n'y a pas de barrières. Parce que lorsqu'on parle d'un esprit, on parle de roues, on parle de souffle. C'est pourquoi on dit ceci, l'esprit c'est un vent. Tu deviens un esprit. On ne peut pas te lier parce qu'on ne lie pas un vent. On ne peut pas te bloquer parce qu'on ne bloque pas un vent. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ça veut dire que tu peux partir. Oh, tu peux expérimenter des dimensions que tout le monde ne peut pas expérimenter. C'est pourquoi Nicodème, tellement qu'il était né de la chair, il n'arrivait pas à accéder dans les dimensions miraculeuses. Oh, miraculeuses. Il n'arrivait pas à accéder à cette vie. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué, parce qu'il n'était pas né de nouveau. Parce que lorsque tu nais de nouveau, tu deviens un esprit. Et on ne peut pas retenir un esprit. Voilà pourquoi même j'aime dire que non, un chrétien ne peut pas être lié. Lorsque tu te lies, c'est toi-même qui s'est fait lier. Parce qu'on ne peut pas te lier parce que tu es un esprit. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Tu es inébranlable. On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas te détruire. Tu es indestructible. Et ce que j'aime avec le vent, c'est quoi? Le vent emporte et le vent apporte. Écoutez, lorsque tu es né de nouveau, étant esprit, tu emportes et tu chasses tout ce qui est de mauvaises choses. Tout ce qui est des liens de famille, tout ce qui est des combats, de la maladie, tu as la capacité d'emporter cela à cause du pouvoir que tu as. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as la capacité d'apporter les choses. Écoutez, la Bible dit ceci dans Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons, que nous savons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et que des choses invisibles, visibles, tirent son origine des choses invisibles. Écoute, ça veut dire que quoi? Des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces personnes ont la capacité de ramener des choses qui sont dans l'invisible, dans le monde visible. En réalité, tel que tu es là sur la terre, regarde, tu vois la maladie là? Dieu a permis que ça puisse t'arriver. Dieu a permis que ces problèmes puissent t'arriver. Pour que toi qui as la nature de Dieu puisses entrer dans l'esprit. Comme tu es un esprit, tu es né de l'esprit. Tu rentres dans le royaume. Tu prends la guérison qui est là-bas. Tu prends la solution qui est là-bas. Tu prends le travail qui est là-bas. Tu prends le mariage qui est là-bas. Tu le ramènes sur terre. Ce qui est dans l'invisible là. Que tu le ramènes dans le visible. Pour que les gens témoignent la puissance de Dieu sur terre. En réalité, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes là pour manifester la nature de notre Père sur la terre. Nous devons nous manifester en cette saison. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Ne regarde pas ce qui te frappe. Ne regarde pas ce qui est en train de te tourmenter. Parce que tu as un avantage sur la maladie. Parce que tu as un avantage sur le problème, sur tout ce qui frappe dans ta maison, tout ce qui frappe dans ton quartier. Ça ne peut pas t'atteindre parce que tu es un esprit. Lève-toi de là où tu es. J'aimerais que tu te lèves en guerrier, va trouver ce travail, organise cette entreprise, crée cette entreprise. J'aimerais te dire, affronte ces choses parce que tu es un enfant de Dieu. Rien n'est une barrière pour un enfant de Dieu car tu es un esprit. Tu es un esprit, tu es né de Dieu. Ne recule pas face aux problèmes. Ne recule pas face aux choses qui frappent à tout le monde. Toi, tu ne seras pas bloqué parce que tu es né de Dieu, parce que tu es né d'en haut. Lève-toi de là où tu es. Et peu importe ce que tu fais, ne recule plus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. La création attend que tu puisses te manifester. Les créatures attendent que tu puisses te manifester. Parce que la créature a été soumise. A été soumise. À cause du péché d'Adam,
la créature, les créatures, la création a été soumise aux lois du péché. La maladie est entrée. Mais toi, enfant de Dieu, tu es là, tu es un donneur de solutions. Alors ne te sous-estime pas. Lève-toi de là où tu es. J'aimerais prier avec quelqu'un. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses mettre ta main dans le cœur. J'aimerais que tu puisses prendre une décision. Décide de toi. Parle au Seigneur par rapport au message que tu as écouté aujourd'hui. Et que le Seigneur puisse t'aider à avancer parce que tu es un enfant de Dieu. Marche avec la conscience. Je me donne rendez-vous après ces messages. Je me donne rendez-vous de nous revoir encore la semaine prochaine pour la suite du message. Et que je prie que l'Éternel puisse vous bénir. Laisse-moi prier pour vous. J'aimerais avant de prier pour vous, j'aimerais vous pousser à vous abonner dans la chaîne et j'aimerais vous pousser à partager des vidéos, à appeler, à inviter vos amis à s'abonner dans cette chaîne YouTube, que l'Éternel, dans cette émission, que l'Éternel dispose dans cette chaîne, que l'Éternel dispose pour notre édification. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tout celui qui m'a suivi pendant, au travers de cette émission. Yahweh, que tu puisses les toucher, que tu puisses les impacter. Je prie, Éternel Dieu, qui puissent avoir la conscience qu'ils sont tes enfants, que tu les as appelés, que tu les as donné ta nature, ton ADN, tes gènes, pour qu'ils puissent fonctionner comme des dieux sur la terre. Je prie, Éternel Dieu, pour ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Je prie que ta main soit sur eux, dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Moi, c'est l'homme de Dieu, le prophète Eloé Gratimitoko. Je vous bénis au nom du Seigneur. Restez dans la paix du Seigneur. Merci. Ciao, ciao.